Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer en moi. Ah, 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 ah. Entends les cris de mon cœur. Je veux mon désir, celui de t'adorer. Adorer, ce n'est pas chanter. Adorer, c'est s'offrir comme un sacrifice vivant. Je ne quitterai pas l'autel de feu, tendre Père. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer, Abba, mon désir, celui de t'adorer, de te révéler, tendre Père. Je veux de refléter le Christ, de ressembler à Christ, celui de t'adorer, de glorifier ton nom. Exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut exprimer devant Dieu? Comme un peuple avare, dispose nos cœurs, attire-nous, honnête-nous, embrasse-nous, bâtis ton église, bâtis nos vies sur le fondement de ta parole, sur le fondement de la vérité, sur le fondement de la foi. C'est le fondement de l'espérance, c'est le fondement de ton amour. Établis-nous, établis ton église. Je veux celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je veux t'adorer, Abba. Je suis Père, je viens. Ah, je veux ce soir, reçois-nous comme des sacrifices vivants qui veulent s'offrir et se donner tout entier à toi. Pardonne nos manquements, pardonne nos insuffisances. Pardonne, Père, nos carences. Aie compassion, Père, de nos faiblesses. Et viens au secours de notre faiblesse. Viens au secours de nos manquements, nous t'implorons, viens nous établir sur le roc, sur le fondement de ta parole. Viens nous façonner car tu es l'argile. Oh, beaucoup d'entre nous, nous sommes abîmés, esquintés, remplis d'insécurité et d'incertitude. Mais ce soir, Père tel que je suis, je dépose mes couronnes, je dépose mes trophées, je dépose mes compétences à tes pieds. Et je reconnais, Seigneur, que mes sources sont en toi, que je ne sais rien, que je ne peux rien, que je ne suis rien, mais uniquement. Accorde-nous la grâce de n'être qu'à toi, pour toi et en toi. Accorde-nous la grâce d'être tout entier à toi. Abba, Père, je veux. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Abba, je me livre, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Alors là où tu es, pendant quelques instants, tu vas élever la voix.
Et nous allons recommander ce moment à tes mains du Seigneur. Tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, ce soir, c'est toi que nous désirons. Nous ne sommes pas là pour écouter un homme. Nous avons besoin de toi. Relâche ta grâce, relâche ta onction, relâche ta capacité. Seigneur, fais la différence ce soir. C'est toi que nous désirons. Bien-aimés, invoquons, élevons la voix et invoquons-le. Disons-lui que nous avons besoin de lui. Que le Saint-Esprit soit désiré. Que le Saint-Esprit soit trouvé. Accorde-nous la grâce. Nous ne pouvons pas commencer sans toi. Si tu ne parles pas, je ne peux pas parler. Si tu ne dis pas, je ne peux pas dire. Si tu ne commences pas, je ne peux pas commencer. Alors s'il te plaît, magnifique Esprit de Jésus, viens nous remplir, viens nous conduire, viens nous porter, viens nous soulever, viens nous transporter, viens nous embraser, viens nous consumer, viens étendre ta main. Que les programmations sataniques, occultes, diaboliques, démoniaques contre ce rassemblement soient anéanties. Pardonne nos manquements, pardonne nos égarements, pardonne les péchés que nous ne connaissons pas, pardonne tout ce qui a pu être un point d'obstruction, tout ce qui peut bloquer la libération de ta grâce, de ton onction. Nous te demandons pardon, pardonne nos péchés involontaires, pardonne nos péchés cachés, pardonne nos défaillances, pardonne nos erreurs, mais nous t'implorons. It's about you, oh God. S'il te plaît, fais la différence. Atterris dans cet endroit, Seigneur. Relâche l'atmosphère. Ouvre l'atmosphère, Saint-Esprit. S'il te plaît, Seigneur. Oh, ne nous laisse pas parler des discours intellectuels. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. It's not about us, oh God. It's about you. Have your way. We pray. Bien-aimé, ne te tais pas. Élève la voix par l'intelligence ou élève la voix par l'esprit. Il faut qu'il y ait un bouchon qui doit sauter ici. Il faut que l'atmosphère soit frayée, que le chemin soit dégagé. Oh, bien-aimé, élevons la voix. Oh, God, we pray. Have mercy upon us. Magnifique Esprit de Jésus, fais-toi un chemin. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, que les agendas sataniques, les programmes du diable, tout esprit de sabotage, tout esprit d'embarras, tout esprit de disgrâce, tout esprit de confusion, tout esprit de lourdeur, tout esprit d'assoupissement, tout esprit de tiédeur, quiconque a été envoyé depuis les profondeurs de l'enfer pour empêcher ta parole d'être libérée et pour empêcher le Saint-Esprit de prendre le contrôle totalement, que par le sang de Jésus, versé pour notre rédemption, le sang qui a scellé notre rédemption, notre protection, notre délivrance et notre guérison. Nous brandissons le sang de Jésus contre les assauts de l'enfer. Nous brandissons le sang de Jésus. Et c'est par ce même sang, Père, que ce soir nous sommes purifiés, que ce lieu est purifié, que l'église est purifiée, l'atmosphère est purifiée, les installations sont purifiées, les câbles sont purifiés, les individus, les cœurs sont purifiés. S'il te plaît, Esprit du Seigneur Jésus, fais la différence, viens prendre le contrôle. Ne laisse pas les projets du malin s'accomplir ce soir. Nous prions d'un commun accord que ton règne vienne, que ton gouvernement, ton règne, ta domination, ta suprématie, ton autorité soit établie ce soir dans le nom de Jésus. Au son de la voix de ton serviteur, onction de Dieu, viens faire la différence, onction de Dieu. Viens atterrir au milieu de nous. Onction de Dieu, viens nous porter, viens nous transporter, viens nous soulever. Onction de Dieu, que ce que tu n'as pas planté soit consumé par le feu au nom de Jésus. Que Dieu se lève ce soir, que ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Que Dieu se lève ce soir et que tes ennemis se dispersent. Lève-toi dans la vie de mon frère, lève-toi dans la vie de ma soeur, lève-toi au milieu de nous. Lève-toi, Seigneur, comme un puissant guerrier, fort dans les combats, redoutable dans la bataille, et fais la différence. Ne laisse pas la volonté des méchants s'accomplir. Père, nous te demandons, ne laisse pas la volonté des pasteurs, ni la mienne, ni celle d'aucun autre s'accomplir. Nous demandons ce soir que ta volonté prévale, que ta volonté s'assied. Ta volonté, c'est d'envoyer ta parole, c'est de guérir les cœurs brisés. Ta volonté, c'est de libérer les prisonniers. Ta volonté, c'est d'ouvrir les yeux des aveugles. Ta volonté, c'est de renvoyer libres les opprimés, c'est de proclamer le jubilé. Ta volonté, c'est de faire le bien et de détruire, Seigneur, et de guérir tous ceux qui sont sous l'emprise, l'empire du diable. Ta volonté accomplie là ce soir, nous t'implorons, Père.
Ne cesse pas de prier, ne cesse pas. Oh bien-aimé, il faut demander que sa volonté prévale. Ah non, ne laisse pas les desseins des méchants s'accomplir. Ne laisse pas les desseins des occultes s'accomplir. Allez, relâchons des paroles dans l'atmosphère. Relâchons des paroles d'intercession. Relâchons des paroles de supplication. Relâchons des paroles d'autorité. Relâchons des paroles prophétiques. Ah non, Seigneur, c'est toi que nous demandons. Que le rassemblement des nations ce soir soit pour toi. Ce n'est pas un rassemblement de religieux. Non, Seigneur. C'est la réunion des ambassadeurs du royaume des cieux qui sont venus pour honorer le roi, pour honorer sa majesté, le roi de gloire. Alors nous prions, Seigneur, que l'atmosphère soit libérée et que tout esprit de sabotage, d'embarras, de confusion soit réprimé ce soir par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Exerce tes jugements par le feu au son de ma voix, que tout ce que tu n'as pas planté soit brûlé, soit consumé dans le nom de Jésus-Christ. Que rien ne demeure, Seigneur, qui ne te soit agréable. Nous t'implorons, Père. Fais la différence. Allez, la mara sauté, riso kabara, sheketa ramabo, rike kamaria lesa, rosko reke mara shatama, libero satare libero sete, rino mara shatare metaya, rida moro sete le mara sauté, sharara mara boro sekere, libero sada maria. Oui, Seigneur, étends ta main. Mais que ta rima roche te mara, libros porra se te balia. De toutes les paroles qui ont été prononcées sur la terre et dans le monde invisible, contre cette semaine, contre cette soirée, par le sang de Jésus, soit annulé, tous les décrets occultes qui ont été prononcés, Seigneur, nous les annulons par le sang de la rédemption, par le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui a été envoyé, Seigneur, pour empêcher ton peuple d'être instruit, pour empêcher ta parole d'être libérée, nous l'annulons par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Oh, 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 oh. Victoire ce soir, victoire par le sang de Jésus. Victoire par le sang. Victoire par le sang de Jésus. Oh, 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 oh. Victoire, nous proclamons. Victoire par le sang, victoire par le sang de Jésus. Oh 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 oh. Viens faire parler le sang. Victoire par le sang de Jésus. Arrête, arrête, victoire par le sang de Jésus. Oh 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 oh. Fais parler le sang de Jésus. Fais parler le sang de Jésus. Oh, 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 oh. Ce soir, contre toutes les intrigues occultes, fais parler le sang de Jésus. Contre tout esprit de sorcellerie, contre tout esprit d'envoûtement, fais parler, Père, sur nos vies. Sur nos santé, nos destinées, nos maisons, nos foyers, nos mariages, notre héritage. Fais parler. Oh, oh, oh. Le sang n'a pas coulé en vain. Saint-Esprit, fais parler. Fais parler le sang de Jésus. Seigneur, fais parler le sang de Jésus. Seigneur, fais parler le sang de Jésus.
Seigneur, fais parler. Ma vie ne peut pas rester immobile. Ma vie ne peut pas stagner. Ma vie ne peut pas rester emprisonnée. Père, fais parler. Ne fais pas parler mon nom de famille, non. Ne fais pas parler mes diplômes, non, non, non. Ne fais pas parler mon talent. Mais Père, fais parler. Oh, bah, fais parler le sang. Oh Seigneur, nous te prions, fais parler le sang. Là où le bras des méchants était appesanti. Là où les forces occultes combattaient nos destinées. Là où il y avait des coalitions et des complots orchestrés contre nous. Là où ils s'étaient coalisés pour nous combattre. Fais parler le sang de l'Alliance. Fais parler le sang de la rédemption. Ne fais pas parler le titre de pasteur. Non, non, non. Le titre de bishop n'a aucun poids. Voilà pourquoi il ne faut pas faire la course au titre. Le titre de PDG n'a aucun poids. Mais fais parler, Seigneur, sur nos vies. Là où il y avait l'esprit de célibat, l'esprit de chèque. Là où il y avait l'esprit de divorce, l'esprit d'embarras, l'esprit de confusion. Là où il y avait l'esprit de mort, l'esprit de pauvreté. Là où il y avait l'esprit d'adultère, l'esprit d'immoralité, fais parler. Ah, là où il y avait l'esprit de disgrâce, l'esprit de honte, l'esprit d'humiliation. Là où il y avait l'esprit de confusion, fais parler. Fais parler. Oh, ce soir, Saint-Esprit, fais parler. Un témoignage à Jésus, fais parler. Oh, ne laisse pas le sang silencieux, non. On a trop parlé du diable et de ses œuvres dans nos vies, non. C'est la saison où tu fais parler. C'est la saison où tu fais parler. Que les semences, les conspirations, les paroles de malédiction, les paroles d'incantation proclamées contre ton peuple soient maudites par le sang de Jésus. Que les réclamations sataniques soient stériles par le sang de Jésus le Christ. Fait parler. Fait parler le sang de la rédemption. C'est le seul sang qui ferme la bouche du diable. C'est le seul sang qui réduit les démons au silence et qui les fait trembler. Fais parler. Père, fais parler. Fais parler dans nos vies. Là où des voix nous combattaient, là où des maladies, là où des afflictions, là où les hommes des ténèbres nous combattaient. Esprit de résurrection, fais parler. Fais parler le sang. Oh, fais parler le sang. Devant les montagnes qui se dressaient devant nous. Les montagnes d'échecs, les montagnes de pauvreté, les montagnes de maladies, les montagnes de maladies, de mort prématurée, les montagnes de confusion, de disgrâce, d'échec, d'impudicité, les montagnes de divorce, de destruction des foyers, les montagnes de drogue, d'égarement, les montagnes de dispersion de nos enfants. Seigneur, fais parler. Seigneur, fais parler. Abba, fais parler. Abba, fais parler. Seigneur, fais parler. Contre les voix des forteresses. Contre tout ce qui cadenasse, emprisonne ton peuple. Contre les voleurs d'identité, les esprits qui sont là. Les esprits de mensonge, d'égarement, de tromperie. Ceux qui passent leur temps à dire tu vas pas y arriver, tu es incapable, tu vas échouer, tu vas mourir comme ta mère. Non, fais parler. Je ne peux pas répondre, ma réponse est fait parler le sang. Le sang dit je l'ai racheté.
Le sang dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il n'est plus né de son père, il n'est plus né de sa mère, il n'est plus né de la volonté de la chair, ni du sang. Il est né de moi, dit le Saint-Esprit. À la place de l'héritage, de la belle manière de vivre hérité de mes ancêtres. Fais parler. Oh, 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 oh. Fais parler. Fais parler le sang de Jésus. Ah ben fais parler. Fais parler le sang de Jésus. Ah ben fais parler. Oh, 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 oh. Nous t'implorons, fais parler. Fais parler le sang de Jésus. Ah bah nous t'implorons. Nous te supplions. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Fais parler le sang de Jésus. Nous entendons beaucoup de messages, Seigneur. Et ils sont la vérité. Mais accorde-nous la grâce de comprendre, d'être conscient, de connaître la vérité. Je dis, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. On peut prêcher, enseigner, mais si tu ne rends pas témoignage à notre esprit, la vérité ne va pas se greffer dans notre esprit. Elle restera à nos oreilles. Voilà pourquoi nous te supplions. Ne nous laisse pas où nous sommes. Nous te supplions. We won't be satisfied with anything ordinary. Oh no, no, no. We won't be satisfied at all. Ça ne sera pas une conférence de plus. We won't be satisfied. We benefit, oh no, no. Oh no, 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 no. We won't be satisfied. Oh, oh Père, nous te supplions. We won't be satisfied. Oh, we cry out to you. Ordinary. No, 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 no. No, 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 no. Pas une semaine de plus, pas une conférence de plus, non. Une semaine de retournement divin. Je ne suis pas. Oh non, 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 non. Il faut que ce dépôt pénètre en moi. Il faut que je sois ici inébranlable. Quels que soient les vents et les tempêtes qui soufflent dans ma vie. Oh, ne me laisse pas où je suis. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité d'être transformé. Oh, tu es le potier, je suis l'argile. Tu es le bâtisseur, l'architecte, je suis le bâtiment. Oh, rends-moi inébranlable. Je te prie. Au-delà des messages, Seigneur, il faut véritablement que tu sois vu, que la parole soit digérée, que la parole ne soit pas seulement entendue, mais qu'il faut qu'elle soit ingurgitée, il faut qu'elle aille imprégner les tables de mon subconscient, il faut qu'elle pénètre mon inconscient, mon subconscient, ma conscience, ma volonté. Oh, je te prie, ne me laisse pas être un auditeur. Amène cette parole à pénétrer les profondeurs. Je te prie, je te prie, je te prie. Saint-Esprit, rends témoignage à mon esprit. Ah, rends témoignage à notre esprit de qui nous sommes. Oh, s'il te plaît, esprit de vérité, délivre-nous du mensonge, délivre-nous de la fausseté, délivre-nous de la tromperie, de la duplicité, délivre-nous, Seigneur, de la faiblesse, de la mollesse, de la petitesse, de la nonchalance, de la tiédeur. Délivre-nous, Seigneur, ne nous laisse pas subir, parce que la décennie de la domination signifie qu'on n'encaisse plus, on donne les coups, on ne se laisse plus molester, on donne des coups, on écrase, on n'est plus écrasé, c'est nous qui écrasons. Alors ne nous laisse pas, non, dans la parole théorique, ah non, ne nous laisse pas théoriciens, fais de nous des témoins de Christ. Oh, bah. Ah, Saint-Esprit, fais ton ministère en nous.
Saint-Esprit, bâtis cette église glorieuse. Saint-Esprit, bâtis cette église, fortifie-la, établis-la, rends-la inébranlable. Oh, affermis, établis, fortifie et rends inébranlable. Saint-Esprit, éduque, enseigne, rends témoignage, manifeste ta vie, ta présence dans nos corps. Ne peut pas laisser nos corps indifférents. Non, ce n'est pas vrai, parce qu'il est écrit dans ta parole, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il est écrit, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ta présence en nous n'est pas là pour faire de la décoration. Cher règne de Dieu, oh nous t'implorons, manifeste ton règne, ta domination, ta suprématie, ton autorité. Ce que tu n'as pas planté, brûle-le, brûle-le, arrache-le, extirpe-le, fais la différence. Oh magnifique, s'il te plaît, s'il te plaît, Saint-Esprit, un peuple à soif de ta réalité. Non, arrêtez là-bas. Oh, can we cry out to you? C'est quand je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi dire de plus. Alors entends nos soupirs, entends les soupirs d'un cœur assoiffé, entends les soupirs d'un cœur qui dit en bas, qui dit envahis-moi, investis-moi, gouverne-moi, remplis-moi, conduis-moi, équipe-moi, domine-moi, fais la différence. Exprime Christ, forme Christ, bâtis Christ, établis Christ, réinébranlable. Oh, que le Christ soit vu dans ma génération, que l'homme de Galilée soit vu dans mon époque. Oh, nous t'implorons, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Christ seul. Oh, 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 oh. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Arrêtez là-bas. Merci d'avoir entendu nos prières. Merci d'avoir exaucé nos supplications. Merci d'avoir entendu la voix de nos supplications ce soir. Je croyais que quelqu'un aurait dit amen. On est en train de dire merci, toi tu dis pas amen. Miséricorde. Oh, et compassion, Seigneur, et compassion de nous. Connecte-nous à ta fréquence ce soir. Amen, Abba, s'il te plaît. Merci d'avoir entendu le cri de mes supplications. Je ne sais pas pour mon frère, mais tu as entendu le cri des assoiffés. Tu as entendu le cri de nos supplications. Merci de faire abondamment, infiniment, au-delà de ce que nous te demandons. Par ta puissance qui agit en nous. Merci de révéler le Christ. Merci de glorifier Jésus. Merci de t'exprimer, de te manifester au son de la voix de ton serviteur. Jusqu'aux extrémités de la terre, Esprit de Dieu, fais la différence et embrase nos cœurs. Oh, rends-nous capables d'être tes instruments. Rends-nous capables d'être tes vases d'honneur. Rends-nous capables d'être tes messagers. Rends-nous capables d'être trouvés bons et fidèles serviteurs. Rends-nous capables de faire la joie de ton cœur. Rends-nous capables d'être trouvés fidèles. Tu as commencé en nous cette belle œuvre.
Et c'est toi qui la rendras parfaite. Amen, 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 amen. Amen à celui qui entend nos cris. Amen. Tu as dit dans ta parole, lorsque les justes crient, le Seigneur entend. Amen. Et les délivre de toute leur détresse. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Si tu as élevé des supplications et que tu crois que tu as été exaucé, bien-aimé, acclame sa présence au milieu de nous.